Enjoy DI.FM without interruptions by upgrading to DI.FM Premium today. With DI.FM Premium, you not only eliminate the ads, but you also get double the audio quality, so you can enjoy the beats of your favorite electronic music with no interruptions. Upgrade today online at di.fm/premium or in your mobile app and keep the party going. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette pandémie. Écoute, c'est toute une ambiance, c'est pratiquement surréel qu'est-ce qui se passe. Chaque jour on regarde la télévision et on se dit « Oh my God, vers où on s'en va? » Donc, mais en dehors de ça, le travail continue. Puis aujourd'hui, je ne veux pas en faire un sujet spécifique, parler de la pandémie. Je pense que si vous... regardez les nouvelles, vous écoutez la radio, vous êtes inondé en masse de cette information-là. Fait que mon but aujourd'hui, c'est de vous changer les idées. Et justement, ça fait plusieurs mois que j'ai pas tenu ce genre d'épisode-là. Je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé dans quelques instants. Mais tout d'abord, juste pour revenir sur la pandémie, là, je vais juste dire une note. Dans l'histoire humaine, il y a eu des grands événements, puis je pense qu'à chaque fois, l'être humain réussit à s'adapter, puis je pense que c'est ce qui va arriver avec ce qui nous arrive en ce moment. C'est juste que tout est nouveau. Fait qu'on garde confiance, puis on en continue d'avancer. Donc, bref, donc oui, j'ai eu un gros branle-bas de combat, en fait, depuis 3 mois. Il y a pratiquement un reset complet de l'équipe des ventes au Québec qui s'est fait. Je vous raconte ça en détail dans quelques instants. Juste, peut-être... partir de un, ceux qui sont en ligne, j'ai quelques personnes en ligne, juste me dire que tout est bon, le son est bon. J'ai eu des petits ajustements à faire ce matin, après 3 mois, on a des nouvelles versions de logiciels qui ont sorti que j'utilise pour streamer, et j'ai eu des ajustements à faire beaucoup ce matin, donc je vais voir si tout est correct. Donc, qui est en ligne? Donc, Eric, oui, c'est très bon, merci Eric, merci. OK, donc pour ceux et celles qui m'écoutent pour la première fois, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils allaient joindre aujourd'hui, il y en a qui m'ont écrit, qui m'ont dit que c'est la première fois qu'ils entendaient, qui étaient au courant de ce que je faisais, donc je sais qu'il y en a qui ça va peut-être être la première fois qu'ils vont venir. Juste un petit récap, là, ça fait quand même 22 épisodes que je fais, plus d'un an et demi que je suis sur ce projet-là. Vous dire un petit peu le but de la diffusion, ce que vous allez voir aujourd'hui. Bien, en gros, grosso modo, ce que je fais, c'est que je parle des nouvelles spécifiques à Red Hat et tout ce qui tourne autour de Red Hat. Vous êtes dans le domaine des technologies de l'information, ça bouge vite. Vous êtes mitraillé à gauche et à droite de plusieurs manufacturiers. Ce que je fais dans la prochaine heure avec vous, c'est qu'on fait un récap des grandes nouvelles, des dernières sorties, couple de petites démos pour vous autres. Donc, je suis là, en fait, je récolte l'information au fur et à mesure. Étant employé chez Red Hat, on a des informations souvent en premier ou privilégiées. C'est sûr que moi, je focus beaucoup mon temps à me tenir à jour sur Red Hat, hein, parce que c'est ce que je fais, en fait, la promotion. Donc, pendant les semaines avant les épisodes, je structure un petit peu mon information.
Et j'ai toujours super hâte de faire ces épisodes-là parce que j'ai toujours plein de super informations trippantes à partager avec vous. Donc, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. On va avoir des petites démos. J'ai des épisodes. Si vous allez sur YouTube, je peux vous mettre le lien ici là, sur YouTube. J'ai mon canal. En fait, j'archive tout ce que je fais sur Twitch. Je l'envoie sur YouTube. Donc, je l'ai mis dans le chat. Vous allez le voir passer. Oui, juste à l'écran ici. Je regarde si ça fonctionne toujours. Ça, oui, ça fonctionne. Donc, vous pouvez aller voir ce qui a été fait dans le passé. J'ai certains épisodes, j'ai fait des installations de logiciels. Sur deux épisodes, j'ai fait une installation de Satellite 6 au complet. Ça serait à refaire parce que Satellite 6 a évolué, mais c'est juste donner un petit exemple de ce que je fais. Donc, je répartis mon émission en quelques sections. Vous allez voir le titre changer dans les sections. Et d'ailleurs, on va y aller avec la première section. Section que j'aime bien parler, en fait, pour donner une petite touche un peu plus personnelle à la diffusion, juste focusser sur la technique ou les nouveautés, vous parler un petit peu sur quoi j'ai travaillé dans les derniers mois. C'est sûr que dans les trois mois, j'ai travaillé sur beaucoup de choses, puis on pourrait passer toute l'après-midi à en discuter, mais c'est pas ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Peut-être vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans les trois derniers mois, ce qui fait que j'ai été absent sur l'épisode. Pas sur l'épisode, sur les émissions, pardon. Donc, comme je disais en introduction, on a eu un branle-bas de combat du côté Red Hat Québec. On a une équipe flambant presque neuve. Je suis encore là, moi je suis vieux dans l'équipe avec Martin Sauvé, mais pratiquement toute l'équipe des ventes a été remodelée. En fait, il y a eu des départs chez d'autres compagnies. J'avais annoncé dans les dernières diffusions. Il y a aussi des gens qui sont partis à la retraite. Mais on a aussi grossi l'équipe, ce qui est le fun. Donc maintenant, on a un directeur des ventes au Québec. Ça, c'est une première. C'est la première fois qu'on a ce poste-là en place. Et c'est occupé par un monsieur qui s'est joint à nous il y a quelques mois, M. Roccozino. Donc, il s'occupe de ça maintenant. Fait que c'est le fun d'avoir du management au Québec pour notre équipe. On a aussi un nouveau vendeur qui est dans la région de Québec, qui couvre le gouvernement et les assurances. Le vendeur avec lequel je dois travailler, celui qui remplace Alex. Il s'appelle Sébastien Charles. Il devrait être en train de nous regarder en ce moment. Si ce n'est pas le cas, il va nous regarder sûrement sur YouTube. Donc, bien content de travailler avec Sébastien aussi. Sébastien arrive de chez Bell, a travaillé 19 ans comme vendeur chez Bell, donc connaît bien le marché du gouvernement de Québec. Donc, on va travailler ça ensemble. On a aussi des nouveaux architectes de solutions. J'en ai deux maintenant qui travaillent avec moi. On est en fait trois ensemble qui se répartissent tout l'Est du Canada, en fait de Québec et dans les Maritimes. Donc, Dan et Pierre qui se sont joints à nous aussi. Donc, quoi d'autre? Oui, j'ai un nouveau patron aussi qui a commencé cette semaine. Je n'ai pas eu la chance encore de discuter avec lui. On s'est échangé quelques messages, mais un patron qui habite Montréal, qui va s'occuper principalement des architectes dans l'Est. Donc, nouvelle équipe. Donc, c'est le fun. Fait que moi, de mon côté, ça va me libérer, en fait, dans les trois derniers mois, de mettre en place cette équipe-là. En fait, c'est pas moi qui ai fait beaucoup. J'ai participé à quelques entrevues. Rock a fait le gros du travail. Mais je me suis occupé en fait du territoire du mieux que je pouvais. Donc, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de temps consacré sur ce que je fais, ce que je veux faire régulièrement les vendredis sur Twitch et sur YouTube. Mais là, maintenant que tout le monde est en place, je devrais redonner avec un horaire un peu plus régulier. J'espère, parce que j'adore ça, j'adore vraiment ça, faire ces épisodes-là. Et je veux continuer, j'ai de la demande, c'est le fun, là. Je me promène dans la clientèle, les gens, je l'ai déjà mentionné dans des émissions précédentes, là, mais j'ai des gens qui me demandent quand est-ce qu'on a une émission, quand est-ce que tu reprends tes épisodes, donc on va essayer d'être un peu plus régulier dans les prochaines semaines, c'est sûr dans le contexte de la pandémie aussi, je pense que les gens s'attendent aussi à voir plus de contenu en ligne, plus de diffusions instantanées comme ça, moi le premier, là, je regarde beaucoup plus de choses, beaucoup plus de diffusions en temps réel, que je le faisais avant, puisqu'on est confiné à la maison. Donc, on va essayer d'en faire un petit peu plus. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc, comme ça fait longtemps qu'on s'est vu, paquet de petites nouvelles intéressantes, trouvailles aussi que j'ai faites dans les dernières semaines. J'ai hâte de partager ça avec vous. On va parler des dernières grosses sorties, parce qu'il y a eu plusieurs grosses sorties importantes, les principales nouveautés de ces sorties-là. Dans les démos, j'ai une petite démo à vous montrer, tiens, de Code Ready Container. Je me suis amusé, j'ai commencé à m'amuser là-dessus cette semaine pour approfondir un peu mes connaissances en OpenShift 4 et c'est une belle façon d'avoir un environnement OpenShift rapide sur son laptop, donc je vous montre ça dans quelques instants.
OK. Est-ce qu'on a des questions? Non, ça va. Quelques personnes en ligne. Tout est beau. Donc, prochaine section. Je vais mettre à jour le titre qui est ici. Donc, sur les prochains événements, je me suis dit, je ne vais pas trop parler de la pandémie, mais on est obligé d'en parler parce que ça a de l'impact. Ça a de l'impact sur nos événements, sur les événements publics, bien sûr. Je pense pas une surprise pour vous. Donc, la plupart de nos événements vont être convertis en virtuel. Et je vais commencer avec le premier événement qui est le Ansible Meetup. Donc, si vous n'êtes pas membre du Ansible Meetup encore et que vous êtes intéressé par Ansible, ben, tapez Ansible Meetup Québec ou Ansible Meetup Montréal. Et vous allez tomber sur la page du Ansible Meetup. Donc, on devait partir en ronde au mois d'avril, en tournée, en fait, avec bon, grosse tournée Montréal et Québec, mais c'est quand même une tournée organisée. Et malheureusement, avec ce qui se passe, ben, on est obligé de changer la formule. Donc, on va y aller pour la première fois avec une formule virtuelle. Je ne l'ai pas annoncé encore, vous êtes les premiers à le savoir. J'ai finalisé l'agenda ce matin. Donc, on va avoir un Ansible Meetup virtuel, donc en ligne, le 16 avril prochain à 18 h. Donc, on garde les mêmes heures pour accommoder les gens. Je sais que plusieurs d'entre vous ont peut-être travaillent peut-être de la maison maintenant, mais il y en a encore qui ont besoin de sortir. Donc, on garde ça en soirée si vous voulez être capable de vous joindre en direct avec nous, poser des questions. Donc, on va faire ça en direct. On va faire ça sur une plateforme. La plateforme Red Hat qu'on utilise, c'est BlueJeans Prime. Donc, j'ai pas le lien encore, là. Je suis en train de finaliser ça avec nos équipes internes pour avoir un lien. J'espère l'avoir aujourd'hui. Dès que j'ai le lien, j'envoie les invitations. Donc, on va regrouper Montréal et Québec ensemble. On va être plus, théoriquement, on devrait être plus de monde. Et on va faire ça le 16 avril. Ça va être une première. C'est la première fois que je vais faire un meet-up en ligne. C'est pas la première fois que je vais faire une conférence en ligne, mais une première fois qu'on va avoir que je participe, que je mets en place ce genre d'événement-là. Ansible Montréal attire pratiquement 100 personnes maintenant à chaque meet-up. Donc, c'est beaucoup de monde. Ça prend la bonne plateforme pour ça et c'est ce que je travaille à l'interne pour mettre ça en place. Donc, Ansible Meetup, c'était le premier événement qui s'en vient. Le deuxième événement, je pense qu'il va vous plaire. En fait, vous connaissez le Red Hat Summit. Cette année, Red Hat Summit est bien sûr à cause du virus et je dirais n'est pas remis, est transformé en virtuel aussi. Et mais la grosse nouveauté du Red Hat Summit cette année, écoutez bien ça, c'est gratuit. Gratuit pour tout le monde. Donc, c'est la première fois qu'on offre un Red Hat Summit gratuit, parce que généralement, il y a un coût. Dans le fond, on fait ça dans des grands centres de convention. Donc, il y a un coût associé à ça entre autres pour vous nourrir, puis payer l'endroit où on tient l'événement. Comme on n'a pas d'endroit, on va faire ça dans nos bureaux, quand même qu'il y a beaucoup de présentateurs qui montent à la maison pour présenter leur matériel. Donc, on donne ça gratuit. Donc, c'est le 28-29 avril prochain. Vous pouvez immédiatement vous enregistrer, c'est gratuit. Parlez-en à vos collègues. Donc, je mets l'adresse dans le chat. Red Hat Summit. Bon, c'est un petit peu plus court qu'habituel. Habituellement, c'est 3 jours complets. Là, on y va avec 2 jours, mais il va y avoir des keynotes, puis il va y avoir des sessions, un paquet de sessions. Vous allez entendre parler beaucoup, beaucoup, je crois, de CNV, Container Native Virtualization. Ça semble être le gros buzz en ce moment. Vous allez voir ces nouvelles capacités-là. En fait, elles sont déjà disponibles en Tech Preview. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi CNV, c'est la capacité de rouler des machines virtuelles directement dans Kubernetes. Donc, au lieu d'avoir un environnement virtuel pour ces machines virtuelles et un environnement Kubernetes pour son container, on vient de combiner les deux ensemble. C'est un gros momentum en ce moment, beaucoup d'efforts là-dessus. D'ailleurs, notre collègue Jean-François Saucy à Québec travaille beaucoup sur ce projet-là en ce moment. Sinon, dans les autres événements à venir, il y a un paquet de petits webinaires là, sur notre site qui a été annoncé. Je n'ai pas suivi ces annonces-là. Je sais qu'il y en a un, c'est, je pense que c'est Virtual Task Training. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, une formation virtuelle chez Red Hat. Il va y avoir quelque chose qui s'en vient, là. J'aurais dû peut-être prendre ça en note là, pour vous aujourd'hui. Je vais faire une petite recherche là-dessus, puis je reviendrai peut-être à la prochaine épisode avec plus de détails. Sinon, il y a les ROG, même principe que les Ansible Meetup, les ROG qui s'en viennent, Red Hat User Group, Montréal et Québec. On va garder ça. On va garder ça virtuel aussi. Ça va être en mai. J'ai commencé à travailler le contenu aussi. Donc les dates sont indéterminées, mais quelque part en mai, là, je veux faire Québec et Montréal. Encore une fois, on va combiner, on va en profiter. Pour combiner les événements ensemble et aller chercher un peu plus de monde pour nos événements virtuels. Donc, à suivre à ce niveau-là. Donc, c'est les événements Red Hat qui s'en viennent.
Maintenant, la prochaine section. Est-ce qu'on a des questions? Non, ça va. Donc, prochaine section, c'est la section des nouvelles et des trouvailles. Donc, oui, en 3 mois, j'ai trouvé un paquet de choses. J'avais de la misère lorsque je montais mon épisode d'aujourd'hui, cette semaine, à retirer du matériel que j'avais trouvé parce qu'il y avait trop de matériel intéressant et en 1 heure, je ne peux pas tout couvrir. Donc, on y va tout de suite. Je les ai classés, tiens, les trouvailles par 3 catégories aujourd'hui. Donc, catégorie Red Hat en général, catégorie Ansible et catégorie OpenShift. Donc, on va commencer avec Red Hat. Quelles sont les nouvelles du côté Red Hat en général? Donc, 30 janvier, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais IBM, la CIO d'IBM se retire. Donc, Ginny se retire et va être remplacée par 2 personnes. Donc, la première qui est Arvind Krishna. Donc, Arvind va prendre le titre de CIO et on a aussi nommé un président du côté IBM. Et le président, c'est notre CIO chez Red Hat, Jim Whitehurst, qui va prendre cette tâche-là chez IBM. Il va commencer comme président chez IBM le 6 avril, ce qui fait que chez Red Hat, on va nommer un nouveau CIO dans les prochains jours aussi. On n'a pas eu de nom encore, je n'ai pas entendu de rumeur non plus à cet égard-là. Donc, il y a un nouveau CIO qui s'en vient. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je vous dirais que c'est un peu les deux. La bonne nouvelle, c'est qu'on prend Jim, on l'envoie du côté IBM. En fait, Jim va faire ce qu'il faisait très bien chez Red Hat, l'aider les équipes, l'aider vers où on s'en allait avec Red Hat. Jim est passionné par les communautés open source, par la collaboration, l'innovation qui passe par tout ce qui est open source. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui va amener du côté IBM. Donc, on devrait voir IBM s'ouvrir un peu plus. J'ose croire. Dans les mauvaises nouvelles, mais c'est qu'on perd un bon leader du côté Red Hat. Mais je suis convaincu qu'on va nommer quelqu'un de bien aussi pour le remplacer. Mais bref, IBM, Jim ne nous quitte pas totalement. Il reste dans la famille. Donc, c'était la grosse nouvelle. Pour ceux qui ont manqué, tiens, je peux mettre... l'article, le communiqué de presse ici dans le chat si vous voulez aller voir qui ont manqué cette nouvelle-là, qui veulent lire sur ça. Dans autre nouvelle du côté Red Hat, je ne sais pas si vous connaissez, tiens, je vais le mettre ici. Je vais le mettre à l'écran pour vous montrer. C'est un. Je vais passer ici, ok. Donc, le Fortune 100, les 100 meilleures compagnies pour travailler ont sorti leur rapport. De 2020. Très fier d'annoncer, encore une fois, que Red Hat fait partie du top 50. En fait, si on recule un petit peu ici, on est exactement à la 48e position. Donc, si vous vous souvenez l'année passée, ceux qui me suivent depuis le début, j'ai présenté celui de l'année passée. On était en 50e position. Maintenant, on a gagné 2 positions, ce qui est bien. En fait, très fier... de ce résultat-là, vous pensez, là, c'est les compagnies évaluées un peu partout dans le monde. Donc, il y en a des compagnies dans le monde. On est dans le top 50 chez Red Hat. C'est ce qui fait encore, en fait, aujourd'hui que je suis là. Je pense que j'adore ce que je fais comme travail. J'adore travailler chez Red Hat. Oui, on a vécu l'incertitude avec l'acquisition d'IBM, mais c'est en train de se placer. Mais ça reste toujours, ça a toujours resté une très bonne compagnie pour laquelle travailler. Dans les compagnies que j'ai faites dans ma vie, c'est définitivement la meilleure. Et je me demande encore aujourd'hui, si jamais il m'arrive quelque chose, je dois quitter Red Hat, où est-ce que je vais aller travailler. Donc, très heureux chez Red Hat. Et de voir ça, moi, je fais juste confirmer ce chiffre-là. Et même, je ne connais pas les autres compagnies. Là. Il y en a quelques-unes sûrement qu'on connaît, Deloitte. Ouais. Je ne sais pas comment c'est dans ces compagnies-là, mais moi, j'ose croire qu'on devrait être plus haut que ça encore même. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous chez Red Hat. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent s'en venir travailler chez Red Hat aussi et qui commencent, en fait, entre autres, plusieurs nouvelles ressources qui viennent de commencer. Donc, c'est une bonne nouvelle pour eux. OK, tout va bien ici. Oui, super. J'avais peur un peu que ça décroche un petit peu parce que je regardais des diffusions instantanées cette semaine. Puis, effectivement, on sent là, qu'il y a beaucoup plus d'activité sur Internet avec tout ce confinement-là. Et là, j'ai vu ce matin que certains États aux États-Unis là, qui tombent pratiquement en quarantaine, des gros États, la Californie, New York, donc on devrait sûrement avoir une surcharge sur Internet. Donc j'avais peur que ça décroche, parce que j'en ai vu des streams cette semaine décrocher. Bref, pour l'instant, tout semble bien se passer. Quoi d'autre dans les nouvelles? Oui, au niveau Ansible, j'aime ça parler d'Ansible. À chaque épisode, je prends le temps de me garder un petit segment sur Ansible. Donc, ce qu'on a annoncé dernièrement qui pourrait vous intéresser, en fait, 2 choses.
Donc la première, je vais le mettre ici, tiens, dans le chat. On a annoncé une nouvelle formation. Je vais juste vous l'afficher ici. Donc, on a annoncé une nouvelle formation, Ansible. Je pourrais vous dire que c'était beaucoup en demande. C'est la formation complète sur comment automatiser les environnements Windows avec Red Hat Ansible. Donc, on avait... excusez, je vais juste achumer. Oups, le petit problème avec mon micro, désolé. Donc oui, c'était quelque chose qui était demandé beaucoup. Les gens veulent automatiser des environnements Windows avec Ansible. C'est un peu une niche. Hein. En fait, il y a beaucoup d'automatisation qui se fait déjà en Windows. On a les ressources DSC, PowerShell, mais ça reste que c'est complexe. Et on arrive avec Ansible, façon très simple d'automatiser des environnements. Windows, je vous dirais qu'auprès de ma clientèle, ça répond bien. Des gens qui l'ont fait dans ma clientèle, j'en ai deux assez gros qui l'ont fait, et quand je les parle aujourd'hui, ils sont vraiment très heureux. Tout se passe super bien. Donc, je pourrais mettre ma petite binette en bas ici. Oh, je vais me tasser par là, oui. Donc, grosso modo, c'est disponible maintenant. 4 jours de formation, vraiment, pour approfondir ça. Donc, si ça vous intéresse, c'est disponible. C'est disponible au travers de la Learning Subscription. Pour ceux qui ne connaissent pas la Learning Subscription, vous pouvez vous abonner à toutes nos formations sur une période d'un an, toutes nos formations en ligne. Ou sinon, vous pouvez continuer à acheter par unité, par cours, en fait. Mais Learning Subscription est super intéressante. Donc, cette formation-là fait partie de cette Learning Subscription. Autre nouvelle d'Ansible, ben en fait, je vais pas creuser ça, là, mais Ansible 2.10 s'en vient, un grand pas. Et d'ailleurs, au Ansible Meetup, j'ai un de nos spécialistes Ansible de Toronto, Patrick Toll, mon collègue Patrick Toll, qui va venir présenter les nouveautés d'Ansible 2.10. C'est vraiment la mise en force des collections qui arrivent dans 2.10. Donc, on va en discuter, en fait, au prochain Ansible Meetup dans quelques semaines. Troisième catégorie nouvelle, c'est au niveau d'OpenShift, les containers Kubernetes, ça continue d'être très bouillant dans ce secteur-là, et attendez-vous à ce que j'en parle de plus en plus. Écoutez, sur mon territoire, c'est, je vous dirais, 6 appels sur 8, grosso modo, c'est pour parler d'OpenShift, donc beaucoup, beaucoup d'intérêt avec OpenShift, les containers Kubernetes. C'est ce qui me tient occupé dans plein des discussions. C'est pas ma spécialité encore. Je laisse ça dans les mains de mon collègue Martin Sauvé. Je veux augmenter mes capacités techniques autour d'OpenShift. Donc, je vais en faire un peu plus. Idéalement, peut-être même me certifier. Je sais qu'Éric, tu as commencé ta certification. Je sais que c'est pas terminé, mais... tu laisses ça savoir à tout le monde, les cours, la formation OpenShift chez Red Hat, c'est bien ou pas. Je vais peut-être la suivre moi aussi. Tu pourrais nous dire ça dans le chat, là. Mettre un petit peu de vie sur le chat aujourd'hui. OK. Quoi d'autre? Oui, c'est ça. Dans les nouvelles OpenShift, qu'est-ce que je vais vous montrer? Petite trouvaille intéressante. Je ne sais pas où ça va se mener, tout ça. Ben, où on s'en va avec ça. Mais je vais vous montrer un site web que je trouve intéressant. Je le mets dans le chat. Ça s'appelle uncontained.io. En fait, c'est des gens qui font des interventions dans OpenShift, des gens de service, pratiquement chez nous, puis qui ont créé des articles, un paquet de petits articles. Je sais pas, il n'y en a pas des tonnes, il y en a quelques-unes intéressantes. Et vous pouvez contribuer aussi, si vous voulez, à ce site-là, via le site Git rattaché. Faire des pull requests pour faire des modifications, ajouter du contenu. Donc, si vous voulez bonifier, si vous êtes dans le domaine du service, vous faites du service informatique, je sais qu'il y en a parmi vous qui m'écoutent, ça peut être intéressant, d'un, de lire ce qui est là, des petits trucs avec OpenShift intéressants, il y en a avec 3, il y en a avec 4, aussi de contribuer et puis vous faire connaître un peu plus. Donc, je l'ai vu circuler un petit peu ce site-là à l'interne, mais encore une fois, il n'y a pas des tonnes... encore d'articles, si je clique sur articles, c'est ça que j'ai fait, oui. Il y en a-tu plus? Oui, il y a seulement 2 pages. Mais bref, des choses intéressantes. Donc, je vous invite à aller jeter un œil, c'est une petite trouvaille, et à contribuer aussi si vous,
vous voulez vous faire connaître dans le domaine OpenShift. OK. Autre trouvaille intéressante, en fait, autre annonce qu'on a fait, c'est pas nouveau, OK? Ça fait quelques mois que ça roule déjà. De mon côté, j'avais pas pris la chance de jouer, j'ai pas eu la chance de jouer beaucoup avec, mais je l'ai fait dernièrement. Ça s'appelle CodeReady Container. OK? C'est, on va dire CRC. Donc, je vous montre ça. En fait, j'ai une petite démo même. Je vais peut-être parler un petit peu, vous montrer qu'est-ce que ça donne. Tout d'abord, je vous mets l'article ici. Ah, je viens de voir dans le chat. Notre ami Eric. Je vais juste. Qui nous dit, je suis en train de faire le training 2.80. Très bien fait. Et à jour au CP 4.2. Oui, effectivement. On était 4.3, mais au CP 4.2, c'est quand même pas très. Grosse différence entre les deux, du moins. OK, excellent. Merci, Eric, pour tes commentaires. Donc, je reviens à Get Started with CodeReady Container. C'est un article, en fait, qui vous explique comment partir. Quand j'ai vu cet article-là, j'ai dit, ah, mais mon Dieu, c'est donc bien simple. Donc, prérequis pour rouler CodeReady Container. En fait, qu'est-ce que c'est CodeReady Container? Ça vous permet de rouler sur votre laptop un environnement OpenShift complet. Et là, vous allez vous dire, ben, complet. Un single node, une instance sur une machine virtuelle, en fait. Donc, CRC va créer la machine virtuelle pour vous et va instancier à l'intérieur tout ce qu'il faut pour rouler OpenShift 4. Et là, il y en a qui vont dire, ben non, moi, j'ai pas acheté OpenShift 4. C'est pas grave, vous ouvrez un compte sur Access, sur notre portail, access.redhat.com. C'est tout ce que ça prend. Et automatiquement, vous allez pouvoir aller chercher ce qu'on appelle un pull secret, c'est ce qui permet d'installer OpenShift. C'est un petit fichier texte qui est généré, mais il faut avoir accès à notre compte. Et les pull secrets que vous allez obtenir, je pense que ça vous donne par défaut en 60 jours. Donc, une évaluation gratuite là, d'OpenShift. Vous allez pouvoir l'utiliser pendant 60 jours. Vous familiarisez avec l'interface, commencez à jouer avec si vous ne l'avez pas fait encore. Mais ça marche vraiment super bien. C'est très rapide. Très rapide à démarrer, mais... OpenShift consomme quand même beaucoup de ressources. Regardez ce que ça prend ici pour sur votre laptop. Donc, ça prend 4 machines, 4 vCPU. Je vais mettre. Je n'aime pas ça, mais juste ça. Si vous voulez me voir un petit peu pendant que je parle, c'est toujours le fun de voir qui est en train de parler. Désolé. Donc, ce que vous avez besoin, 4 vCPU, 8 GB de RAM, 35 GB d'espace disque. Je pense qu'aujourd'hui, dans les laptops modernes, vous êtes capable amplement de faire ça. Moi, ce que je recommande ici, là, je ne sais pas qui a écrit l'article, mais je vais y écrire, le 8 GB, là, c'est passé définitivement. Je ne sais même pas si vous allez être capable de démarrer un container. Donc, moi, j'ai monté à 16, puis à 16, j'ai lancé quelques containers, j'ai même activé les métriques. Quoique, j'arrive pas à les faire fonctionner, là, mais je vois que ça travaille un peu plus depuis que j'ai activé les métriques. Je vais creuser ça dans les prochains jours. Mais faites attention à ça. Sur lui, moi, je le mettrais. Je dirais un minimum 12 gigs. Mais si vous avez un portable avec 32 gigs, allez-y à 16. Puis là, à 16, ça va très, très bien rouler. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, ce que vous allez voir dans mon environnement. On est sur mon laptop. J'ai alloué 16 gigs. J'ai 32 gigs dans mon laptop. Donc, ce qui est suffisant. Et faire le setup, c'est aussi simple que télécharger le binaire requis. En fait, c'est une espèce de package qui contient tout ce qu'il faut pour rouler OpenShift. Vous le décompressez, vous le mettez à un endroit spécifique dans votre patte. C'est aussi simple que ça. On fait le setup. Le setup n'a rien à faire. On fait juste lancer la commande. Il prépare tout ce qu'il faut, créer la VM et ainsi de suite. Et on démarre avec notre pull secret qu'on a downloadé un petit peu plus haut, qui est un fichier texte. C'est aussi simple que ça. Et je vous montre. Et ça prend vraiment là, les étapes que je vous ai mentionnées là, c'est quelques minutes. Là, on ne se lance pas dans une installation d'une heure. Et ce que j'ai fait avant l'épisode, parce que ça prend quand même 2-3 minutes à lancer, le CRC Start, container, Code Ready Container, pardon, démarrer. C'est lui qui est un petit peu plus long. Donc, j'ai eu même un petit problème avec Libvirt tantôt. Donc, ça démarre, ça prend à peu près 3-4 minutes. Et vous avez, après ça, les instructions pour vous connecter sur en ligne de commande avec un compte développeur qui existe déjà. Ou voici les mots de passe admin pour se connecter ici. Donc, très important, le mot de passe qui est là, de le garder. En fait, à chaque fois qu'on démarre, je pense qu'il est généré, qu'il y en a un nouveau. Et à partir de là, on peut lancer des commandes de CodeReady Container. Donc, si on veut voir de quoi a l'air l'environnement, je vais vous montrer. Oui, c'est vrai, il faut juste que je voulais juste mettre ça dans le pad ici. OK.
Donc, je peux me loguer en tant que développeur avec la commande OC login tout simplement. Oups. Je suis connecté. Donc, il y a déjà un projet qui est là. Je vais vous le montrer. Bon, je peux voir mes pods. Donc, ça fonctionne. Je peux me loguer en tant qu'admin aussi. Et je peux interagir avec le cluster. On peut aller chercher la console graphique. Donc, on va partir ça ensemble. Et on va se connecter en tant que... Ah, je suis déjà branché en tant que développeur. Donc, voici mon OpenShift, OpenShift 4. 3 en fait, complet. Avec mon petit projet ici qui roule test.php. Si je vais dans la réseautique, je vais avoir ma route. On va juste ouvrir ça, voir si ça marche. Effectivement, mon application PHP fonctionne. OK, donc ce que je disais tout à l'heure, on a la vue développeur aussi, qui est le fun, avec la topologie. Et je peux ajouter des applications, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment une version complète d'OpenShift qui est là. Si je reviens en ligne de commande, je vais juste vous montrer ici là, le petit warning qui dit que, oups, fais attention, on passe en mode peut-être dégradé. Il y a une couple d'opérateurs qui ont été désactivés. Parce que là, on a un all-in-one installation sur un laptop, donc histoire de permettre de rouler sans que ça graphine trop sur la machine, on a désactivé par défaut certains opérateurs, donc ce sera à voir ce que vous voulez faire comme vous amuser. Il y a beaucoup d'opérateurs là, qu'on clique. Je vais aller voir la vue. Où sont mes opérateurs? Opérateur ici. Opérateur A, mais ça ne marchera pas parce que faut que je sois connecté en admin. Mais bref, beaucoup d'opérateurs ont fait juste cliquer et c'est activé. Un petit peu un minimum de config. Donc, vous pouvez vous amuser rapidement avec CodeReady Container sur votre laptop si vous avez assez de ressources. Je vous dis, ça prend quelques minutes. Hein, l'article que vous avez vu. Juste ici, là, elle n'est pas très longue. Je peux aller voir un statut, tiens, je vais vous montrer le statut un petit peu de mon cluster en ligne de commande. Donc, voici ce qui est utilisé. 4.3.1, on est à la dernière release. Avec la mémoire, j'ai un 12 GB d'assigné à l'environnement. Donc, je peux la démarrer, la déliter complètement, puis la recréer. Donc, c'est vraiment une bonne façon de découvrir OpenShift, de s'amuser, de tester des choses. Des fois, vous n'avez peut-être pas accès à un cluster rapidement. Tout ça, dans vos laptops ou votre poste de travail. Donc, super, super le fun. Belle petite découverte. Et ça va s'en venir, je devine, avec OKD. OKD, j'ai encore des demandes. Quand est-ce que OKD version 4 va être disponible? On est en alpha en ce moment. Ça s'en vient. Je pense que c'est la prochaine release d'OpenShift. Je pense qu'ils ont tout mis les morceaux en place pour vous offrir OKD 4, finalement, qui est la version communautaire de OpenShift là, qui s'en vient. OK. Donc, je vais aller faire un petit tour au côté du chat. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Parfait. Super. On continue. OK. Autre trouvaille maintenant. En fait, c'est un article. J'ai débattu ça. Il y en a qui vont se reconnaître, des gens qui m'écoutent. On a eu à débattre ça avec deux clients dernièrement. Pourquoi j'utiliserais OpenShift plutôt que Kubernetes, seul, développer mes outils, et blablabla. Donc, je vous mets un petit article intéressant. Aussi, en fait, c'est la première partie. Je devine que la partie 2 va sortir bientôt. On peut le regarder ensemble. Donc, c'est les... En fait, j'avais-tu pris mes notes? Attendez un petit peu, je vais juste aller voir si j'ai pris des notes là-dessus. Oui, j'avais pris des notes. On va sortir plutôt mes notes. Ça va être plus facile de sortir les highlights un petit peu de l'article. Donc, vous voyez à l'écran. Oui, c'est bon. Il va falloir que je change ça. J'ai des shortcuts là, pour passer de caméra à l'autre. F1, F2, F3. Là, quand je paye sur F1, il y a toujours une fenêtre d'aide qui affiche. Il va falloir que je corrige ça. C'est agaçant. Donc, oui, c'est un article qui a été fait par un de mes collègues qui parle de ce que c'est quoi le lien de Kubernetes pour OpenShift. Parce que souvent, les gens, les clients nous arrivent, moi, j'ai pas besoin d'OpenShift, je roule Kubernetes. Donc, et on commence l'article avec un statement, une phrase assez évidente. Là. C'est quoi la différence entre un moteur et un auto? Mais c'est exactement ce qui différencie un petit peu Kubernetes d'OpenShift. Kubernetes, c'est le moteur, c'est ce qui permet le gros de l'orchestration de vos containers, lancer vos containers.
Mais il y a beaucoup d'enrobage à mettre en tour si on veut le déployer en entreprise. Donc, c'est le taux, en fait, OpenShift. Et c'est ce qui commence. Je ne veux pas lire l'article avec vous, là, mais j'ai noté quelques points intéressants qui reviennent souvent quand je discute avec les clients. Quand je roule un container sur OpenShift, c'est la même chose que rouler un container sur Kubernetes. C'est 100% compatible, c'est 100% la même chose. Okay? Et vous avez des explications ici, en fait, de ce que OpenShift ajoute par-dessus un environnement Kubernetes, en fait. Donc, je vais vous laisser plutôt découvrir cet article-là. Oui, c'est vrai, ici, j'avais pris une note. Je m'étais mis un petit souligné ici. Question qui revient souvent ici. Quelle version de Kubernetes vous voulez qu'OpenShift? Il y en a tout le temps. Moi, je veux la dernière, 1.17. Vous savez, chez Red Hat, c'est pas notre best practices. C'est pas juste chez Red Hat. Là. Je me promène chez les clients, là. Très peu de clients aujourd'hui roulent la dernière version communautaire d'un logiciel. Les gens vont généralement attendre une version, même deux, des versions communautaires pour ceux qui roulent du communautaire directement en entreprise. Donc, chez Red Hat, on a ce principe-là aussi. Là, vous ne verrez pas une version, surtout un point important comme Kubernetes, nous faire rouler la dernière release. Donc, on va plutôt prendre le temps de stabiliser, rendre cette plateforme-là plus mature. Donc, on lag pas tant que ça, on lag d'une release. On est à 1.16 avec OpenShift 4.3. Version OpenShift 4.4, on va quand même aller vers 1.17 si 1.18 est sorti. OK, donc je vous laisse très bon article qui fait un bon comparaison entre OpenShift et Kubernetes. Mais encore une fois, OpenShift et Kubernetes, c'est la même chose. OpenShift bonifie Kubernetes, mais c'est le même concept. Pas le même concept, c'est carrément Kubernetes qui est là. OK. Oh, prochaine, c'est vrai, j'avais dit trois sections nouvelles et trouvailles, mais j'en ai une quatrième. Et oui, ça c'est important, je l'avais mis dans le titre de ma présentation, justement, tout à l'heure. Oui. En fait, dans le titre de l'épisode, excusez. Je m'emporte un peu. OpenShift, satellite. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec satellite? Excusez. Donc, satellite, je vous mets un article dans le chat ici. Pour ceux qui utilisent satellite, ou même ceux qui ne l'utilisent pas, je pense que c'est l'information intéressante que vous allez apprendre ici. Ouais, l'article est assez long. Attendez un petit peu, là. Je ne vais pas vous inonder. Je vais faire un bit.ly, tiens. Parce que vraiment, le lien, il est très très long. Là. Je ne vais pas passer ça dans le chat, ça va faire trop de... excusez, ça s'en vient. OK, je l'ai, tiens. Je vous envoie ça dans le chat ici. Donc, c'est un article, en fait, qui fait la lumière un petit peu sur la dernière release de Satellite. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement avec Satellite? Là, j'essaie de retracer mon article. Encore une fois, j'ai utilisé un marqueur pour l'article. Souligner les points importants dans cet article-là. Donc, je vous montre ça. Donc, c'est en train de charger. C'est un article qui fait le point sur qu'est-ce qui se passe avec les upgrades dans cette élite. Ça a été un défi dans le passé, mais il y a eu un focus dans les dernières releases pour améliorer ça. Focus surtout pour améliorer la vitesse des upgrades, parce que les gens se plaignaient que c'était long upgrader cette élite. Okay? Donc, ça a été un focus dans les dernières releases depuis 6.3 en fait. On était à 6.6, 6.7 s'en vient. On en parlait tout à l'heure. Donc, il y a eu un gros travail qui s'est fait et c'est vraiment en pré, donc validé avant de lancer l'installation que votre satellite est dans un état upgradable. Vous faites des recommandations si ce n'est pas. Et dans le poste, s'assurer que oui, j'ai upgradé, mais après ça, est-ce que tout fonctionne comme ça fonctionnait avant? Ce qui a été rajouté ici, qui est intéressant, dans Satellite 6.6, par le passé, c'est un peu dangereux ça, mais quelqu'un qui faisait un YUM update sur son serveur satellite, updater les packages même sur le satellite. Mais pour mettre à jour le satellite, il faut lancer la commande format maintenant. Maintenant, c'est satellite maintenant. C'était longtemps format maintenant, mais on a changé le nom de la ligne de commande pour le faire. Bref, maintenant, ça lock. Donc, quand vous faites un YUM update, ça updatera pas les packages reliés à satellite. Donc, évitez que ça casse votre satellite. La seule façon d'updater les packages avec satellite, c'est vraiment d'utiliser la commande satellite maintenant. Paquet de petits bugs qui ont été corrigés. Et ça, ici, c'est intéressant. Côté MongoDB, c'est MongoDB, la
principale base de données dans cette élite. On a fait un upgrade à WireTiger. Pas un expert dans les bases de données MongoDB, là, mais c'est une acquisition qu'ils ont fait pour améliorer, entre autres, les performances de MongoDB. C'est une façon, je pense, de lire la base de données, grosso modo. Satellite, quand vous faites l'installation, quand vous faites la mise à jour, peut-être l'installation, je ne sais pas, mais au niveau de la mise à jour, ça ne met pas à jour MongoDB pour supporter WireTiger. Vous devez le faire de façon manuelle. C'est ce que ça dit ici. Et j'ai un autre article juste ici. Je vous la passe dans le chat ici. La Red Hat qui vous explique en fait comment upgrader votre satellite pour supporter ce nouveau format-là de base de données. Je vais juste me connecter pour que vous puissiez voir tout l'article. Étrange que je ne m'étais pas logué aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Bref, ça explique, c'est hyper simple, là. On fait juste upgrader Mono, l'engin, pour passer à leur nouvelle façon d'interroger la base de données. Il faut faire attention, ça semble consommer un peu plus de mémoire, donc assurez-vous que vous avez assez de mémoire sur votre satellite. Mais semble-t-il, c'est un changement assez important que ça donne la performance à cette élite. Je ne l'ai pas essayé dans mon environnement lab. Là, je vois, il est 1h-5, il nous reste une vingtaine de minutes ensemble. J'aurais pu le lancer puis voir, mais j'aurais peut-être aimé ça faire un backup avant parce que sans satellite, j'aurais de la misère à faire mes démos, mes prochaines démos. Donc, bref, peut-être pour le prochain épisode, on le fera ensemble pour voir ce que ça donne. Peut-être faire un test avant et après si on voit la différence vraiment. Donc, un beau travail qu'on a fait au niveau satellite, c'est des questions qui revenaient souvent. Maintenant, je pense qu'avec satellite 6, ceux qui sont pas en 6.6 encore, là, d'upgrader, en fait, si vous êtes en 6.3 ou avant 6.3, c'est sûr que je vous recommande d'upgrader. Mais il faut faire vraiment version mineure par version mineure. On peut pas passer de 6.2 à 6.6. Là. Donc, il va falloir vous les fassiez toutes. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec tout le travail qui a été fait, là, il n'y a plus aucune gêne. De vous suggérer d'upgrader votre satellite, puis je vous suggère de le faire plus régulièrement. Je sais qu'il y en a qui lag avec ça, là, mais avec toutes les nouveautés qui ont été ajoutées dernièrement et la stabilisation qu'on a fait générale du produit, vous avez une meilleure expérience avec satellite. On a des clients, j'ai vu des notes internes là, sur des interventions qui ont été faites, des clients majeurs qui ont été migrés à satellite 6.6 dernièrement et le processus d'upgrade aurait pris moins de 90 minutes. Là. Donc, il y a un gros push qui a été fait là, pour stabiliser ça avec cette élite. OK, donc c'était mes trouvailles. L'heure avance vite. Hein. Je vais passer la dernière section de la journée, qui est quand même une section intéressante. Avec beaucoup de matériel. Si jamais je n'ai pas le temps de tout passer, je vais en garder pour le prochain épisode. Prochain épisode que je vais peut-être faire plus tôt que prévu, avec la pandémie qui est à l'extérieur. On est capable peut-être d'avoir plus de temps là, pour tenir des épisodes plus rapidement. Donc, dernière sortie. Les dernières sorties, il y en a eu plusieurs depuis 3 mois. Je ne vais pas réviser tout ce qui est sorti depuis 3 mois. J'ai sorti vraiment les grosses avec ce qui est intéressant à retenir de ces grosses-là. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec Red Hat Enterprise Linux 8.1 qui est sorti quand même, ça fait plus que 3 mois, là, en décembre, début décembre. Je crois que j'en avais parlé dans le dernier épisode, mais je voulais juste réitérer ici quelque chose d'important qu'on a fait avec 8.1. Je vais le mettre à l'écran. Je vais vous l'envoyer aussi en référence si vous voulez suivre. Quel article j'ai mis? Ouais, c'est ça. Donc, je l'envoie ça aussi dans le chat si vous voulez regarder de votre côté. Copier-coller. Donc, c'est un article qu'on relâche habituellement à chaque fois qu'on fait une nouvelle release. On fait un post sur notre site web. Il y a eu beaucoup de travail au niveau des containers. Il n'y a pas de secret là-dedans. Là. C'est un gros focus encore chez Red Hat, les containers, mais aussi au sein de Red Hat Linux. Et spécialement à 8, qu'on a un nouveau set d'outils que j'ai déjà présenté dans le passé plusieurs fois à l'épisode. Donc, Podman, Buildos, Copéo. Donc, on a des nouvelles versions disponibles dans 8.1. La capacité maintenant de rouler des containers avec Podman sans être root. On a passé Tech Preview en 8.0 à 8.1, pleinement supporté. Donc ça, je sais, c'est si vous êtes dans le domaine de la sécurité, ou travaillez avec des gens en sécurité, puis ils disent que les containers, c'est pas sécur, c'est une vieille histoire. Maintenant, on a, avec cette capacité-là, on vient de donner une couche de sécurité de plus, bien sûr.
Mais je vais vous montrer aussi ici quelque chose d'intéressant. Podman Generate and Play. Donc, en fait, ça vient faciliter un petit peu ceux qui font du développement container avec Podman et le passer dans un environnement comme OpenShift, un environnement purement Kubernetes. Donc, avec Podman Generate, ça va générer un fichier XML que vous allez pouvoir... C'est YAML. Fichier de définition de manifeste Kubernetes. Donc, d'être capable de prendre ce que vous avez fait avec Podman puis l'exécuter tel quel sous un cluster Kubernetes ou OpenShift. Et faire l'inverse, prendre un manifeste Kubernetes et l'exécuter sous Podman. Donc, vous l'emmenez une charge quelconque qui arrive de OpenShift ou de votre cluster Kubernetes et vous voulez le tester localement, le manipuler localement, l'exécuter localement sur Podman. Donc, c'est maintenant possible. Donc, ça, c'est assez majeur si vous travaillez avec RHEL 8 comme plateforme de développement, mais de rendre compatible l'exécution des containers de Kubernetes vers Podman et ainsi de suite. Et à la fin, on résume bien ici. Là. Il me semble que j'avais vu ça ici. Ouais, ici. Donc, la vision est vraiment de rendre la possibilité de rouler vos manifestes Kubernetes n'importe où. Donc, de Podman vers Podman, de Podman vers Kubernetes et Kubernetes vers Podman. Donc, petit point intéressant, je pense, la journée intéressante qu'on a faite à 8.1. En fait, c'est pas. Oui, la plateforme 8.1, mais c'est Podman qui offre ces capacités-là. Container Go qui est disponible, en fait. J'en ai parlé dans des épisodes précédents. Red Hat Universal Base Image, c'est une image qu'on met disponible de container gratuit sur notre site web. N'importe qui peut le consommer, même si vous n'avez pas d'abonnement. En fait, c'est un set d'images. Et on a un nouveau set d'images qui contient Go. C'est une demande qui revenait souvent, donc est rendue disponible. Et on a une console web dans 8.1 maintenant pour gérer vos containers. Podman, Web Console, j'en ai parlé souvent aussi, donc basé sur Cockpit. On a fait cette touche-là dans 8.1. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour 8.1. On va passer à la prochaine qui est OpenShift 4.3. En fait, grosse sortie qu'on a fait le 15 janvier. En fait, c'est deux sorties qu'on a fait simultanément. OpenShift 4.3 et OpenShift Container Storage, qu'on va appeler OCS 4.2. Déjà, OCS a eu une mise à jour à la fin janvier 4.2.1. Donc, je vais pas commencer par parler par OpenShift 4.3. Je vois qu'il y a déjà une heure, il me reste 15 minutes. Je ne pourrais pas faire un deep dive d'OpenShift 4.3, parler un petit peu juste des grands titres majeurs, mais je vais prendre du temps sur OCS aussi, parce que ça, c'est nouveau. OpenShift Container Storage, parce qu'il y en a plusieurs qui vont aimer ça. Donc, on va commencer avec OpenShift 4.3. En fait, j'ai un article ici que j'ai sorti. Qui donne les grandes lignes, en fait, des nouveautés d'OpenShift 4.3. Et je vous dirais, ce qui ressort beaucoup, c'est la sécurité. Des améliorations au niveau sécurité. Intégration, entre autres, aussi avec Kwe et Clair. Kwe et Clair, pour ceux qui ne connaissent pas, Kwe, c'est un registre de container. Clair va scanner ce qu'il y a à l'intérieur de votre registre de container pour vous donner une note sur votre container, ce qui est sécur ou pas, grosso modo. Donc, on a fait l'intégration aussi de l'information que vous retrouvez dans Kwe. On a fait l'intégration directement dans OpenShift. Donc, vous avez besoin directement d'aller dans Kwe pour aller voir l'information si votre container est sécur ou pas. On a cette information-là directement dans OpenShift. Et bien sûr, ce qui est vraiment énorme, c'est Container Storage, la capacité de pouvoir stocker maintenant vos containers sur Ceph, un Ceph géré par OpenShift, donc par les opérateurs d'OpenShift en fait. Donc c'est ce que ça dit en gros, grosso modo, mais écoutez, j'ai un deck, je pense que le deck a une centaine de pages sur les nouveautés d'OpenShift, il y a un paquet de petites nouveautés, mais grosso modo, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, puis on passera plus de temps ensemble dans les prochains épisodes sur OpenShift définitivement. C'est un défi personnel que je me lance de creuser plus OpenShift. Où je voulais vraiment passer un petit peu plus de temps aujourd'hui, c'est sur OCS, OpenShift Container Storage. Oups, excusez, j'ai encore de la misère avec mon F1.
Donc, OpenShift Container Storage, en fait, c'est un bundle qui se rajoute, en fait, par-dessus OpenShift. Ça vient pas avec OpenShift, hein, c'est un abonnement séparé. Et ça, c'est un bundle qui inclut tout ce qu'il faut pour rouler Ceph. Pour interagir avec Ceph, avec Kubernetes, ça prend Rook, donc c'est l'espèce d'API qui permet de faire ces opérations-là. Et Noba, qui est une acquisition qu'on a faite l'année passée. En fait, après quelques mois, après avoir été acheté par IBM, on a annoncé l'acquisition de Noba. excusez. Donc, c'est de fournir du stockage de façon automatisée, si vous voulez, à OpenShift. Pour l'instant, prenez note, là, je sais qu'il y a des clients qui ont été déçus là, dernièrement à cause de ça, mais ça va aller vite, là. Pour l'instant, on supporte Amazon en back-end, donc ça vous prend du stockage Amazon ou VMware. VMware, c'est du thin provisioning, puis il faut tous vos nœuds à accès, bien sûr, au stockage. Donc, il n'y a pas de capacité pour l'instant à Bare Metal ou OutCloud, mais c'est la première release de OCS version 4. Vous allez voir déjà dans la 4.3 plus de providers arriver. Je ne me souviens pas du détail, là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un en ligne qui a plus d'infos, là. C'est qui les prochains providers. Pour l'instant, si vous voulez utiliser OCS, il faut être dans un environnement soit Amazon ou sur VMware. Mais d'autres vont venir. Ça fait la même chose qu'on a fait avec OpenShift 4. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, OpenShift 4.0 roulait juste Amazon. Donc aujourd'hui, on est tous sur les clouds. Puis Bare Metal, enfin, on roule n'importe où. Mais des versions purement automatisées, mais avec OpenShift, il y a d'autres providers qui s'en viennent. Donc on s'en va vers là. C'est question de temps. Il faut juste être un petit peu patient. Donc, ce que Container Storage vous offre, c'est du bloc stock, les use cases qu'on tackle, en fait. Block storage for database and messaging. Donc, vous avez des bases de données qui roulent sur OpenShift. Donc, OCS devient super le fun. Devient pas super le fun, mais devient l'outil si vous voulez stocker vos données, de bases de données. Shared File System Storage pour CI et Data Aggregation. Et finalement, l'Object Storage pour Archive Backup et Media Storage. Je vais vous parler de Ceph4 dans quelques instants, parce qu'en fait, c'est Ceph4 qui est en arrière de ça. Là, je vous parle plus de OCS, mais j'ai un bon use case Ceph ici à vous parler. Quelque chose que j'ai fait avec un client dernièrement. Donc, ce que ça fait, grosso modo, OCS, qu'est-ce qu'il fait? Ça vous évite de vous casser la tête à mettre en place un cluster Ceph pour stocker votre environnement, vos données, vos containers, peu importe, attachés à OpenShift. Donc, ça déploie des services de stockage pour votre environnement OpenShift. Ça permet d'étendre votre stockage si vous avez besoin de plus d'espace. Ça fournit out of the box console d'administration pour vous montrer est-ce qu'il vous reste l'espace dans le cluster ou pas. Et ça alerte les usagers s'il y a un problème de stockage. Donc, c'est du stockage automatisé grâce aux opérateurs de Kubernetes hostés sur Ceph. Je vous parlais tantôt, je ne l'ai pas ici, je l'ai-tu dans mes notes? Non, je ne l'ai pas pris. Non, je n'ai pas pris. Je vous invite à aller voir les prérequis OCS. Ça prend des grosses machines. Ceph est gourmand, OK? Donc, vous allez dédier sans doute quelques machines dans votre cluster OpenShift au stockage. Donc, attendez-vous des machines, ça prend des bonnes machines. C'est un petit peu le downside de ça. Et grosso modo, lorsqu'on met en place un environnement de container, on veut généralement que ça scale, donc on veut des grosses machines, donc ça ne devrait pas être un problème. C'est rare que les gens vont se faire juste un petit cluster pas très puissant. Les gens, en général, en entreprise, déploient la tirée rude lorsque c'est le temps d'utiliser OpenShift. Donc, vous avez quelques prises d'écran de l'interface ici de gestion. Là, c'est petit, là, mais donc c'est très très bien fait. Quoi d'autre au niveau CS? Grosso modo, c'est ce que j'avais à dire. Je pense que je n'ai pas pris d'autres notes là-dessus. Donc, ce sera peut-être des choses qu'on explorera ensemble dans les prochaines semaines, déploiement au CS, en faire un aussi. Ce serait le fun peut-être de vous montrer comment on déploie ça avec OpenShift. Mais somme toute, je ne l'ai pas essayé, mais les collègues qui m'en ont parlé m'ont dit c'est assez simple, c'est des opérateurs. Donc, on ne se casse pas la tête quand c'est les opérateurs qui font le travail pour nous. OK. 13h07. Il reste quelques minutes. Il me reste des petites choses encore intéressantes. Je vais vous parler de Ceph4.
Okay, ça a un rapport avec OCS, parce que OCS, c'est CIF qui est là. La version de CIF qu'on utilise pour OCS, c'est CIF 4. CIF 4 est sorti officiellement le 31 janvier, mais a été annoncé juste dernièrement. Là. La campagne marketing s'est faite dernièrement. Mais depuis le 31 janvier, CIF 4 est disponible. Je vous dirais, ce qui est vraiment, ce qui ressort beaucoup de CIF 4. Tout d'abord, ce qui ressort de CIF. Je vous parlais de CIF parce que j'ai travaillé un client dernièrement. Un gros environnement de cold storage. Peut-être qu'ils vont se reconnaître. Là, s'il y a des gens qui travaillent chez ce client-là, vont se reconnaître. Mais je nommerai pas le client parce que c'est des environnements moins compétitifs. Donc, plus... on donne pas cette information au public-là, généralement. Donc, c'est un environnement qui était pour stocker du cold storage, donc archiver des choses. Donc, c'est un client qui a décidé que c'était fini l'archivage sur tape. On passe ça sur du SDS, Software Defined Storage. Et on participe pendant plusieurs mois à une recherche sur quelle technologie qu'il devrait utiliser et quel matériel utiliser. Puis on fait vraiment tout un chantier. Et dans les études, de nombreuses solutions sur le marché, un des prérequis, eux, c'est qu'ils regardaient c'est quelle solution permet de scaler plus haut que 100 pétabytes. Et la liste s'est réduite très très vite. Il n'y a pas des tonnes de solutions sur le marché qui offrent ça 100 pétabytes de stockage. Et donc, CIF a été retenu. Et avec le temps, est-ce que quelqu'un qui me ping? Non, ça va. Avec le temps, on fait les analyses qu'ils ont fait, mais c'est CIF qui est devenu gros gagnant de ça dans leur étude et avec du matériel que je n'avais jamais entendu parler, mais le matériel qui se spécialise dans les SDS aussi, quelque part en Inde ou je ne me souviens plus où, je sortirai le nom si ça vous intéresse. Ils sont allés avec ces solutions-là, ont fait de l'architecture, ils ont demandé, on fait des rencontres pour voir comment on pourrait les aider dans cette aventure-là. Mais grosso modo, le client est comme très satisfait avec CIF. Les tests, les benchmarks qu'ils ont fait vont au-delà de leurs attentes. Ils trouvent que c'est vraiment une belle solution. Donc, c'est les échos que je voulais vous dire sur CIF en général. Et ça revient souvent. Les gens qui utilisent CIF, les gens adorent CIF. C'est une belle technologie de mon côté. J'aimerais ça beaucoup passer plus de temps sur CIF. On a tellement de produits. Faut savoir choisir des fois. Mais CIF, je le garde proche de moi. Et on a Guillaume maintenant à Québec, je ne sais pas si Guillaume est en ligne avec nous aujourd'hui, Guillaume Moutier, qui est ambassadeur CIF chez nous pour le Big Data. Donc c'est quelqu'un que j'utilise souvent lorsque j'ai des questions sur CIF et qui serait super content de vous parler. Si vous avez des questions, vous voulez des témoignages ou des recommandations, là, Guillaume est très fort là-dessus. Donc ce qu'il y a de nouveau dans CIF 4 qui a été relâché le 31 janvier, la version qui a eu le plus de nouvelles fonctionnalités depuis l'existence de CIF qui ont été ajoutées. 61 nouvelles fonctions dans CIF. Ça a pris 18 mois à développer, un gros cycle de développement, compatible avec OpenShift. En fait, si vous déployez OpenStack sur la plateforme 16, la dernière qu'on a sortie, il y a une intégration avec CIF 4. La combinaison de BlueStore et Beast, ok, c'est des nouvelles technologies. BlueStore, on en a entendu parler, peut-être un peu moins Beast. A permis en un an d'augmenter les performances du DOOB au niveau des objets. Donc, si vous stockez, faites du stockage objet avec CIF, vous avez un cluster que vous avez installé le plus qu'un an, vous refaites le même déploiement aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui m'ont peut-être pas entendu ça, mais vous faites le même déploiement aujourd'hui et ça va doubler les performances. Question sécurité, ça a été adressé. C'est des concerns qui revenaient souvent avec CIF. Comment je fais pour sécuriser ça? Est-ce que la plateforme est sécure? Donc, FIP 140.2 crypto certifié maintenant. Une couple de petites nouveautés propres à CIF. Là, je ne vais pas adresser ça aujourd'hui, surtout si ce n'est pas des gens de CIF. Ce que je vais vous dire là, ça ne va rien vous dire. Mais bref, il y a des améliorations pour rajouter de la granularité au niveau des contrôles d'accès à CIF. Nouvelle interface de gestion. Et vraiment, une des autres grosses nouveautés de CIF, quelque chose qu'on entendait, des commentaires qu'on entendait beaucoup sur CIF, c'est compliqué à installer, c'est long à installer, ça prend une formation pour installer ça. Donc, je vous invite, et tiens, c'est ce que je voulais faire, mais par manque de temps, je vous invite à aller voir cette vidéo-là, ici, pardon, je sais pas si vous entendez le son du monsieur qui parle. So with the four machines, they're all Revit machines. Comment installer CIF en 10 minutes? Donc le monsieur nous explique comment faire ici. Ça semble simple, je vais pas essayer. Quelque chose que j'aimerais essayer dans ma liste de to-do, de faire une installation de CIF complète en utilisant cette méthode-là. En fait, grosso modo, c'est une installation. Je vais peut-être grossir ici. Je sais pas si vous voyez bien, là. Si vous voyez mieux comme ça. Ouais.
Donc, une installation de CIF automatisée. Enfin, des petits paquetages à installer. Là. Puis après ça, on passe dans le cockpit. Et l'installation se poursuit dans le cockpit. Et là, on configure quel genre de cluster qu'on veut, quelle sorte d'OSD, les journaux ou pas, l'encryption ou pas, blablabla. Et il y a même la validation qui se fait un petit peu plus loin. On ajoute nos hosts, parce que ça prend plus qu'un c'est un cluster qu'on monte. Et vous allez voir, juste un petit peu plus loin. Je vais mentir. Donc, on met ce qu'on veut installer comme fonctionnalité CIF dans chacun des nœuds, ce qui est vraiment très, très bien. Et après ça, on va lancer une petite opération qui va aller chercher les données sur les machines, combien de CPU comme RAM, de disque dur, et ainsi de suite. Donc, capable d'analyser via l'interface si ça fait du sens ce que je suis en train d'installer. Donc, je pense qu'il va le rouler. On va voir apparaître. Oui, c'est ça. Il est en train de prober chacune des machines. Donc, ça donne le résultat ici. Donc, il y a des petits warnings, probablement qu'il n'y a pas assez de RAM ou ainsi de suite. Non, bandwidth, la réseautique, RAM, tout l'eau. Je vous dis, le CF, c'est gourmand. Si vous pensez déployer au CF, au CS dans votre cluster, assurez-vous que vous avez les ressources nécessaires pour le faire. Donc ici, n'empêche, vous allez pouvoir faire l'installation quand même, mais vous n'aurez pas les performances que CF requiert. Donc bref, 10 minutes, on installe maintenant CF et c'est vraiment bien. Là, on voit toutes les progressions. Puis je vais juste vous montrer là, rapidement à la toute fin. On a la nouvelle console web aussi. Ici, on peut peut-être grossir là, le CF. Donc, on reviendra sur ça éventuellement dans un prochain épisode. Donc, si vous n'avez pas essayé CF, vous n'avez pas jeté un œil encore, vous regardez, vous avez besoin d'espace objet, du bloc device, file, je ferai peut-être attention à ça encore. File, ça prend certaines composantes OpenStack pour que ça fonctionne, mais bloc et object, définissez une belle solution à regarder. OK, donc j'avais d'autres. Il me restait d'autres petites nouvelles, mais je vais revenir là-dessus, je pense, la semaine prochaine. J'ai passé déjà 1h15. Vous êtes occupés, et moi aussi j'ai d'autres rencontres cet après-midi. Donc d'autres réunions. On a des réunions pour parler, entre autres, de ce qui se passe dans le monde et voir comment on va s'adapter à ça du côté Red Hat, entre autres. Donc en conclusion, comme je disais à l'ouverture, j'ai été plusieurs mois absent. Et j'espère, avec ce qui se passe en ce moment, que je vais être en mesure de reprendre ça plus régulièrement. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'ai encore plein d'autres contenus à vous présenter, donc on se dit à la prochaine fois. Si vous avez des commentaires, suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon courriel en haut. N'hésitez pas à commenter aussi. Je vais archiver cet après-midi, d'ici la fin de la journée, cet épisode-là sur YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter sur YouTube aussi, si vous avez apprécié. Et aussi me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Donc, je souhaite là-dessus un bon week-end avec la pandémie. Restez en famille, restez chez vous, jouez des jeux de société. Il y en a une panoplie de jeux de société. Et on se redit peut-être la semaine prochaine ou du moins d'ici 2 semaines. Donc, bye tout le monde, bon week-end.